Salut à tous, c'est Uzutsuki. Aujourd'hui on se retrouve sur le nouveau Hitman. Vous me l'aviez demandé, on y est. Donc je viens de lancer le jeu, alors je sais pas du tout où j'en suis. On va découvrir le jeu ensemble pour ce premier épisode. Donc on est sur la version PC. Donc je suis de retour après avoir fait les autres épisodes. Et là on se lance dans un épisode qui est un peu le reboot de la série. Donc j'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti. Allons découvrir tout ça. Majestic, isn't it? I'm Diana. I'll take you to your quarters. Someone likes to keep secrets. Secrets are our stock and trade. Besides, from what I hear, you have a few of your own. I'm not like you, in case you're wondering. I'm in the handler program. Agents and handlers work in unity. You know the expression, know your enemy? Well, that part is my job. Knowing your enemy is only half the victory. I know. You also need to know yourself. I'm working on it. I read your case file. Impressive work. Partly textbook, but I suppose field work never is. Tell me, what did it feel like, taking lives? Random. Disordered. Is that why you came here? Why you let us test you? Maybe I'm not the only one being tested. Well, we are here. Basic training starts at 0600 hours. I should leave you to prepare. Are you sure about this? I am. There are no second chances, Miss Burnwood. Not here. I choose him. May I inquire why? A blank slate? Antisocial? Apathetic and unresponsive? No doubt the boy shows promise, but... Perhaps I see possibility where others see limitation. Isn't that what a handler does, sir? We'll see. Anyone can kill Miss Burnwood. He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. We will check up on his story. The hospital in Romania. In the meantime, keep him under close watch. Welcome to Advanced Training. Your first mission originally took place in Sydney, Australia. The target was Calvin Ritter, also known as the Sparrow. Master thief for hire, specializing in rare and priceless art. Our agent cleverly infiltrated Ritter's private yacht during a social gathering and discreetly eliminated him without any of the guests noticing. Now you will do the same. Oh, and don't worry about the training operatives. All weapons are simulated. Good luck, initiate. Ok, donc on se retrouve dans une mission un peu tutoriel. Et on va essayer de faire ça. Donc je vous rappelle un petit peu mes habitudes, c'est donc de jouer en mode vraiment fufu, jamais se faire repérer. Et d'essayer de faire le moins de morts possible, donc les assommer, enfin trouver une solution pour jamais tuer les gens. Et d'avancer tranquillement dans le jeu. Donc on fouille un peu tout. C'est le but. Et on va essayer de passer par là, tiens. Tiens, il y a déjà un mec qui a tué. On va essayer de neutraliser le petit gars là. Hop. On va le neutraliser. Hop. Donc le jeu reste un peu similaire au dernier épisode qu'on a fait. Avec des touches assez similaires, hein. Il faut... Enfin, je vais pas vous mentir, j'ai regardé un peu les touches avant de jouer pour éviter d'être là à choisir, à dire putain où on crée. Où on tape, où on fait quoi. Je vais prendre ce costume là, tiens, je l'avais remarqué. Pour éviter de faire des petites pauses pour savoir où sont les équipements et tout ça. Donc là je joue au clavier et la souris. C'est bien plus précis que cette fameuse manette d'Xbox One. On va essayer de passer sans se faire repérer. Donc tout ce qui est avec un point blanc, c'est une menace. Ok, on va passer par là. Nickel. Il y a quoi ici? Morora. Ok, ça provoque des vomissements. Nickel.
On va fouiller un peu tout. Là, il y a un autre costume. Ah. Ok, nickel. On est en mec d'équipage. Ça, c'est propre. Voilà, on va peut-être monter directement là-haut. Ouais. On va essayer de repérer la cible. Et voir un peu ce qu'on peut faire. Alors, l'instinct, c'est contrôle. Ok, elle est là, la cible. On va attendre qu'elle monte, je pense, ou je sais pas. Je suppose qu'elle va monter. Qu'on va le suivre. On va monter là-haut. Sans se faire repérer. Donc n'oublions pas que c'est les points blancs qui peuvent nous faire repérer. C'est les personnes qui nous trouvent suspicieux. On va fouiller un peu tout ça là. Sans se faire repérer. Les toilettes. Faut que je me repère un peu. Faut que je vois où il va essayer de passer ce type. On va se camoufler comme ça. Donc comme il dit, il connaît son équipage. On va essayer de camoufler là. On va juste l'observer, voir ce qu'ils disent. Mr. Norfolk, so good of you to fly down. Can I offer you a drink? Oh, no, thank you. No, not before six. My wife is very insistent about that rule. My sympathies. So, excellent timing. I just had the computer set up in my office. Shall we? Yes, please, lead the way. Ok, on va suivre la cible. Tout en restant discret. On peut empoisonner le verre, mais au final ça nous sert pas de grand chose. Je vais essayer de les suivre, hein, voir où ça peut nous amener. Attends, comment on pourrait s'infiltrer dans ce bureau? Pas que je me fasse repérer. Donc je suis en intrusion là, ok. Well, not just a reactor, Mr. Ritter. It's more of a revolution. 50 years ahead of its time, maybe even more, maybe 75 or 100. I don't mean both, but whoever makes it. Je vais regarder un peu ce qui, de quoi il parle. Quoi, je dois m'équiper du flingue? C'est un peu chelou. Quelle cible je dois éliminer? Hold on, I'm thinking. Ça me paraît un peu gros quand même. Les deux, éliminer les deux, ce serait pas top. C'est pas mon... J'aime pas tuer comme ça en fait. Give me a second. It's just on the tip of my tongue.
Your target is down. Now head towards an exit. Well, Mr. Ritter, I... Voilà. Je vais éviter de me faire repérer. Donc faut qu'on quitte le hatch. Ok, la cible est partie. Ok. Un autre tour de se casser. Ok, nickel. Donc on va éviter de se faire repérer. On va essayer de se casser par un autre endroit. Bon, cette mission elle a été assez rapide. Je trouve même trop rapide. Le tuer avec un flingue, je trouve ça un peu rapide, je trouve. J'aurais préféré le tuer avec la Morora, parce qu'au final, elle sert à quoi la Morora? À rien. Donc je me dis, mission un peu trop rapide quand même, pour une prologue. Mais je pense qu'après, il y a la possibilité de refaire la mission XX fois. Là, je vais me faire repérer par le chef de commandement. J'essaie de repartir par là où je suis sorti. Personne qui va me soupçonner de passer par là. Ok. Nickel. Ni vu ni connu. Moi j'ai juste récupéré mon costume. Hop. Allez, faut toujours récupérer le costume dans Hitman. Ça nous rapporte plus de points. Et là on se casse du coup. Terminé la mission. Bah franchement là c'était vraiment du mode très très facile hein. J'espère que le jeu sera pas comme ça H24. Je vais peut-être voir même pour changer la difficulté. Mais c'était un peu trop facile pour moi. How did you know? I told you he had talent. His stats are off the charts. Such skills and reflexes. They can only be the result of previous training. Power like that, with no moral restraint. He could be dangerous. I thought that was rather the point, sir. All agents have weak spots, Miss Burnwood. Pressure points to keep them in check. But this one... Perhaps it would be better to just... Give me a chance, sir. Give him a chance. I will take full responsibility. Very well. It's your show. Welcome back, Initiate. As an ICA agent, every challenge you face can be overcome in multiple ways. Complete this exercise again. This time, attacking it from a different angle. Vary your strategy. Improvise. We will be watching. Ah, je me disais bien. Un peu trop facile. Vous pouvez, avant le test final, prendre plus de temps pour vous entraîner sur la pression à l'intérieur. Vous êtes libre de choisir votre approche. Vous pouvez utiliser des défis pour vous guider. De réussir le plus possible. Donc, plusieurs défis avec un générateur. Une acier avec des explosifs télécommandés. Ah, carrément. Avec la corde de piano. Une acier dans un excellent canot de sauvetage. Wow, carrément. Cacher la cible dans un placard. Ça on l'a fait. Trouver le déguisement de mon équipage dans la cabine sur le pont. Ça on l'avait trouvé. Déguisez-vous en Norfolk. Rencontrez la cible. Ok. Placez une arme et faites en sorte qu'un garde la trouve. Ok. Trouvez la Morora sur le pont 06. Ok. En posant la cible avec de la Morora. Ça c'est possible. Lancez une pièce pour détourner l'attention. Ah ouais. On peut donc tuer le Calvin Ritter en le noyant directement. Okay, carrément. Placer une arme en fort, ok. Nickel. Ok. Donc ça, on peut les prendre. Et comment on voit déjà les défis, j'ai vu un truc avec la pièce de monnaie, je sais pas quoi. Attends, on va voir, faut détourner l'attention.
Ok, nickel. Ouf, alors là. Qui le ferait avec les flingues comme ça? Putain, moi je le ferais pas. Personnellement, c'est pas moi qui l'utiliserais. Allez, on va prendre l'approche un peu plus. Un lightman, quoi, on va dire. Allez hop, on rassemble le garde, on le déplace. On prend pas ses vêtements parce que s'il se réveille et qu'il a un poil, il va directement alerter tout le monde. Je préfère qu'il se dise qu'il est tombé dans un coma artificiel. Hop, on prend le costume du mécano. Et on va essayer de se réinfiltrer tranquillement. On va déjà trouver le costume pour débloquer le défi. On va trouver la Morora, ça ce sera direct. Ça c'est cool, c'est que tous les gardes ne te peuvent pas te reconnaître. C'est que maintenant il y a vraiment que des mecs précis qui te subsistionnent. Donc du coup tu peux vraiment, t'as une facilité un peu plus toi, les boissons dites, ok, nickel. Donc normalement il y a le costume. C'est cool. Membre d'équipage, ça c'est cool aussi. Mister, who are you? Hello? Get hide, you little bitch. Oula, ils sont à deux. C'est pas top. Putain, comment il a pu me suspe. Putain, merde. Quelle grosse merde. Ok, donc là, le type. Ok, l'alarme incendie, ça va foutre la merde. Putain, je me fais soupçonner de ouf. Il n'y avait pas ce garde tout à l'heure. Il y a deux gardes. Oh yeah, that's right. You go hide, big pussy cat. Oui, merde, c'est vrai. T'es moins inconscient, nickel. Est-ce qu'il y a un garde par là? Nickel. Je vais le foutre par là. Ouais, par contre là ça devient un peu plus difficile, vous voyez. Je disais que c'était un peu trop facile et en restant sur mes acquis j'ai failli me faire buter. Prendre un Bartoli. Dans le placard aussi lui. J'espère qu'il va pas me faire repérer ce bâtard. Ok, lui il peut pas me repérer encore. Nickel. Putain, il y en a tellement qui pourraient me repérer. Allez, on va l'attendre. Cell phones. New
chosen one's broken too. I swear to God, Callista, I think technology hates me. It's a sign, Calvin. You're the finest thief the world has ever seen, but things are changing. Bah ouais. The next generation will be breaking into computers, not museums and bank vaults. This is the universe's way of telling you to quit, to get out of the game. Okay. Funny how you and the universe always merge. All hands on deck. More opportune time. The world's biggest video rental chain and its largest music retailer together at last. Il me faudrait. Sorry, no yacht. So you can come in yet? Je sais pas ce qu'on pourrait faire là. Canot de sauvetage, ça pourrait être sympa ça. Ouais, bon, c'est un peu chelou ça. Qu'est-ce que je pourrais faire ici? Je vois pas le mec avec son chapeau là. Je voudrais bien le. Non, là y a personne. Sounds reasonable. One man's loss, another man's gain. Son vendeur, je le vois pas. C'est même un petit peu bizarre que je le vois pas. Yeah, I like that uniform. But you can't come through here. Sorry. Alors. It's okay. If this is what Mr. Ritter's yacht looks like, I'll be done in a second, okay? Ne me dire. I wish Bernie cared about art. Bernie likes musicals. Ok, rien à faire ici. C'est un marteau, ça c'est rien. Putain, il y a vraiment rien pour. C'est lui. Hello, Taylor. C'est ce type. Serais-je trompé de verre? Mr. Norfolk, so good of you to fly down. Can I offer you a drink? Oh, no, thank you. No, not before six. My wife is very insistent about that rule. My sympathies. So, bon, j'ai déjà raté un défi. Faudrait que je le retrouve la prochaine fois si je retente la mission. Faudra qu'on se le fasse. Bon. So, j'ai raté, donc c'est pas là qu'on met la mort aura. Bon, je le saurai. Donc faut que je trouve une autre solution du coup pour m'occuper d'eux. Faudrait que je trouve ça, tac tac tac. Prendre la corde à piano, c'est le moyen qu'il faut pour la tuer. People get what they pay for, Mr. Norfolk, and you paid for the best. Here, I'll pull the files for you. Not my usual scene, technology. Most of my clients are art collectors. So what is it anyway? Some type of reactor? Well, not just a reactor, Mr. Ritter. It's more of a
revolution. 50 years ahead of its time, maybe. Bon, attends qu'il va dire attends, attends. Du coup, c'est un peu chiant de refaire deux fois la mission, mais c'est vrai que là il y a un peu plus de difficultés, un peu plus de personnes qui peuvent te repérer. Allez hop, on va le foutre dans le placard direct. Voilà. Il va se faire repérer après. Hop, on va refaire comme tout à l'heure, sauf que cette fois on l'a fait à corde à piano, bien plus propre. Que j'ai encore des pièces normalement, ouais. Normalement il va trouver un flingue. Nickel. Donc il va penser que c'est peut-être l'arme du crime, je sais pas. Mais en tout cas, on s'en sort bien. Maintenant, faut qu'on se casse. Donc, il y a une sortie juste ici. On va descendre directement. Allez, on va le faire sans se faire repérer. Bon, on s'est fait soupçonner 2-3 fois, mais on a réussi à mettre à terre le témoin. C'est le plus important. Donc ça c'est cool. Ouais, est-ce qu'on se casse en bateau? Ouais, on peut le faire. Allez hop. Donc voilà. Ça on a réussi. Petit entraînement simple pour l'instant. Donc on va voir par la suite, mais je sens que par la suite ça va être chaud. Non, on a réussi quasiment la majorité des défis. Propre. Vous avez terminé de continuer le test ou rester dans le test final? Wow, le test final. Est-ce qu'on on le porte? Allez, vas-y, on va le tenter. Je sais pas ce que c'est, mais. On va voir. Word. Romania was a dead end. You're saying that he lied? Place is real enough, deserted, but we found no trace that your man was ever there, or anyone else for that matter. Someone erased his steps. We'll keep digging, of course. But frankly, it's as if the Earth just spat him out. Are you still determined? Does it matter? I was told there'd be no second chances. Don't believe everything you hear, Miss Burnwood. My decision stands. Very well. I'll be watching. Donc je pense qu'on va partir sur le test final. Le test final, je pense que ce sera dans l'épisode 2. The final test is based on an authentic 1979 mission, the high point of training director Soda's career as an active agent. The target was Jasper Knight, a famous US chess master exposed as a Soviet spy. Soda's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. This is your objective as well. Now listen carefully. ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, he even added additional guards. Sodas wants you to fail. He considers you a threat, and this way, your unfortunate exit from the program will not raise any eyebrows. He did not, however, factor me into the equation. If Sodas can bend the rules, then so can I. Good luck, initiate. Donc vraiment ils veulent qu'on réussisse le test final. Ça on verra ça dans le prochain épisode. Sur ce, restez connectés, le deuxième épisode va pas tarder à arriver. Et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.